Moi, j'y mets le maître. Mais ton maître de chapelle est un imbécile. Nastia! 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 C'est pas pourquoi tu cries comme ça, pourquoi tu t'égosilles? Où étais-tu? Dans la rue ou à la maison? Tais-toi quand on te parle. Enfin, tu n'entends pas quand on t'appelle. Est-ce que tu crois? T'étais encore en train de lire, hein? Est-ce que tu crois que je te paye des gages pour t'acheter des livres, hein? Soufflez un peu, maman, soufflez un peu. Je voulais vous demander, Nastia, si vous ne receviez pas par hasard quelques connaissances issues de la classe ouvrière. Pavel Savelievitch, je suis une demoiselle. Oh. Mais non, mais c'est pas de ça dont je parle. Je vous demande si vous n'auriez pas des connaissances dans la classe ouvrière. Mais les demoiselles non mariées n'ont pas de connaissances. Ne mens pas, Nastia, ne mens pas. Natalia Petrovna, j'ai déjà été engagée auprès de plusieurs maîtres. Et jamais personne n'a pu observer la moindre connaissance chez moi. Vous pouvez voir, Seigneur. Ne mens pas, Nastia, ne mens pas. Natalia Petrovna, si vous voulez parler d'Ivan Ivanovitch, alors lui, ce n'est pas du tout un homme, mais c'est un locataire. Pardon. Et s'il m'invite dans sa chambre, c'est uniquement pour m'agrandir le buste. Hein? Pour faire quoi? Pour m'agrandir le buste. Enfin, Nastia, est-ce que tu deviens folle ou quoi? Je marie ma fille légitime et toi, tu te livres à la débauche sous mon toit. Enfin, est-ce que tu crois que je te paye des gages pour te faire agrandir le buste? Et c'est là, maman, je vous en prie. Ce qu'elle dit est même très intéressant. Dites-moi, Nastia, il vous l'a grandi pour de bon? Varia! Ah, oui, pour de bon! Comment est-ce qu'il s'y prend? Varia! Ah bah alors ça, je sais pas. Mais c'est lui-même qui m'a proposé. Oh, vous savez, quand j'habitais à la ruelle des Trois Saints, il y avait une échoppe de photographies miniatures. Et moi, bien évidemment, j'ai commandé une demi-douzaine de photos. Seulement, elles sont de petites dimensions. On ne se voit que jusqu'à la ceinture. Et comme Ivan Ivanovitch a, on peut le dire, l'instruction photographique, il m'a dit hier soir, moi, Anastasia Nikolaevna, je vais vous agrandir le buste. En voilà une idiote, elle m'a donné de faux espoirs. Enfin,